Richard Berryer. C'est l'heure de la musique comme tous les soirs dans cette émission et ce soir c'est un événement sur le plateau de Nulle part ailleurs puisque nous allons saluer en live le grand retour du groupe Cranberries, ce sont des Irlandais. 28 millions d'albums plus tard et après 2 ans de break, eh bien, ils sortiront le 20 avril leur 4e album qui s'appelle Bury the Hatchet. Et en avant-première européenne, on va vous offrir le single. Voilà, il n'est pas en vente celui-là. Il faut se lever tôt pour l'avoir. Le voici, il est pour vous. C'est le premier single des Cranberries qui s'appelle Promises. Merci, et voilà. La chanteuse, c'est Dolores O'Riordan. Et elle va chanter avec ses petits acolytes qui sont en place normalement, Alexandre. Ah bah ils arrivent doucement, hein, mais doucement. Hein. Ils arrivent très doucement. Vous connaissez les Cranberries? Pas du tout. Eh bien, vous allez les remettre tout de suite. Voici les Cranberries. Ouais. Thank you.
merci. C'était les Cranberries. L'album s'appelle Bury the Hatchet. Merci pour Cranberries. Thank you.
Merci aux Cranberries, Zénith Paris, dont concert exceptionnel le 14 avril, et l'album Bury the Hatchet sortira donc le...